Bonjour, je m'appelle Céline. Jonathan. On est les fondateurs de l'école de danse Swing Nomade. Cette école est née dans le comté de Portneuf en janvier 2018. Et puis, voilà un an, on est arrivé à Victoriaville, donc on enseigne maintenant nos cours ici. On offre des cours de danse swing solo et swing en binôme avec partenaire. On a une prochaine session de cours qui s'en vient cet hiver, qui commence le 18 janvier. C'est 12 semaines de cours. Et puis, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le swing, c'est vraiment une danse inclusive, multigénérationnelle. C'est l'état d'esprit, c'est vraiment la joie. C'est ludique, c'est dynamique. Et c'est vraiment relié à l'époque jazz swing des années 20, 30, 40. Ma spécialité, c'est vraiment le Lindy Hop et le Charleston. Moi, je suis une artiste professionnelle en danse et enseignante depuis 28 ans. Ma formation, c'est la danse contemporaine. Je suis vraiment danseuse contemporaine de formation. J'ai fait ma formation en France. Ça fait 16 ans que je vis au Québec. Et puis, c'est ma passion. Je suis vraiment heureuse de pouvoir transmettre cette danse qui vient connecter avec la joie et qui est aussi en relation vraiment avec... c'est une danse qui est née dans les années 20, 30, 40 à Harlem, dans la communauté noire américaine, afro-américaine. Et c'était une période vraiment où il y avait de la ségrégation, où vraiment pour cette communauté-là, c'était une façon de... c'était un espace d'improvisation, de se libérer sur de la musique jazz swing dans un club qui s'appelle le Savoy Ballroom. Et c'est là qu'est né le Lindy Hop. Et c'est le seul club de Harlem où les Blancs et les Noirs se côtoyaient, pouvaient danser. Je suis Jonathan, je suis l'administrateur et outil pédagogique, donc c'est mon titre. Donc, j'ai pas l'expérience de professeur de Céline. Je suis embarqué comme administrateur, puis comme assistant d'enseignement. Alors, à la base, j'étais pas danseur, mais c'est tellement le fun que j'ai fini par embarquer. Puis, j'encourage toute personne qui pense pas savoir danser de s'essayer parce que c'est tout à fait possible. C'est vraiment le fun, puis on a du plaisir rapidement, ça aide à connecter avec les gens. Exactement, et c'est vraiment une danse universelle, j'ai envie de dire. Peu importe où est-ce qu'on va danser sur la planète, on va se comprendre. C'est une danse de connexion, et puis c'est une danse sociale où on partage le plaisir de danser sur de la musique qui est vraiment riche, jazz swing, puis on s'inspire de ce qu'on entend, des rythmes qu'on entend dans la musique. Et c'est vraiment lâcher son fou aussi, là. C'est très, très joyeux puis très ludique. Quand on parle de la danse swing, c'est vraiment, en fait, on devrait dire les danses swing parce qu'il y a plusieurs variétés de danse dans les danses swing. J'en ai nommé une tantôt, le Lindy Hop et le Charleston, qui sont vraiment mes spécialités. Mais je peux en nommer d'autres, le Balboa, le Shag collégial. C'est pas mal ça pour vraiment ce qui est de la danse, des danses swing. La danse swing, c'est l'ancêtre du rock'n'roll aussi, là, vraiment, qui est arrivé plus tard, après, là, dans les années 50-60. Le swing est tombé un petit peu dans l'oubli dans les années 70. Il est revenu à la mode dans les années 80-90. Et là, il y a vraiment un engouement là, pour cette danse en ce moment, là, partout sur la planète. Hein, il y a beaucoup d'événements qui se passent. On espère pouvoir bientôt offrir des soirées ici à Victoriaville. Il n'y en a pas encore. Puis là, nous, on va démarrer ça bientôt. Et pour ce qui est du contenu du cours, ben, en swing solo, on travaille plus donc en solo, comme le nom l'indique. On développe le vocabulaire, les jazz steps qu'on appelle, et le Charleston. On travaille la musicalité, on travaille la coordination, et puis en swing avec partenaires, c'est une danse sociale, donc on rencontre du monde, on crée des liens,
Et puis, on apprend toutes sortes de mouvements. La base, là, on part vraiment avec la base, donc c'est pour ça que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Vraiment, les non-danseurs là, peuvent s'initier sans problème. On rend ça accessible à tous. Et puis, après ça, on évolue en swing 2 vers le Lindy Hop. Ce soir, on est au Lewis, au café, vin café. Et c'est une soirée spéciale qu'on essaie. On fait une scène ouverte seulement, pas d'artistes invités après, puisqu'on veut tester vraiment là, l'ambiance et l'acoustique, comment les gens se sentent dans la salle. Donc, si vous avez participé, n'hésitez pas à venir nous dire sur Internet comment vous avez trouvé ça, si vous avez des commentaires pertinents. On est vraiment ouverte à l'entendre. Puis, on est vraiment content de pouvoir faire des spéciaux comme ça. On en a fait un cet été dans le champ chez Julia et c'était fantastique. Donc, on est ouverte à vos propositions aussi si jamais vous avez des appartements avec de la place, vous avez une cour spectaculaire, vous avez une salle de spectacle, vous avez envie de voir tout ce beau monde s'épanouir sur votre scène. On est invitez-nous, ça va nous faire plaisir. Merci. De l'insomnie à l'économie, les banques de sang en blémissent, la finance a des courbatures, la politique est grand brûlé à fleur de peau, les marchés boursiers ont eu leur papier du médecin, le quotidien est complètement chaos. C'est ça un réel changement de paradigme. C'est une opération à cœur ouvert à l'inconnu, un cri de souffrance contagieux au premier venu. C'est une table d'opération en combat corps à corps, une transfusion nucléaire sanguine, une hémorragie interne d'émotions, un don de soi d'organes, une plaie infectée d'affection, une blessure par balle entre les deux yeux de l'aveuglement, une déchirure de la chirurgie plastique suremballée. C'est le moment de passer au rayon X les squelettes dans le placard, de scanner les années à venir, de sonder... Au fond, c'était un extrait de Antigone, qui est une pièce reprise en ce moment par Jean Anouilh. Puis Antigone, c'est l'histoire du roi Créon qui veut tuer Antigone parce qu'elle a osé enterrer son frère et dire non. Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non, alors. Je le pouvais. Seulement, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, j'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi, votre politique, vos nécessités, vos pauvres histoires? Moi, je peux dire non, encore. À tout ce que j'aime pas. Moi, je t'ai essayé de vous faire un petit sketch d'humour. Fait que c'est ça. C'est quatre humours que j'ai jamais écrit parce que moi, je compose dans ma douche avec ma blonde. C'est mon meilleur public. Puis, j'allais vous parler de la SQDC, dans le fond. J'espère que c'est pas un sujet tabou pour personne. Des fois, qu'il y a un peu. Ça devrait être correct, j'imagine. Fait que. Moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai commencé à... Ben, en fait, j'ai attendu l'âge légal, j'ai commencé à 18 ans, ben c'est 21. Fuck! Tabarnak! Bon, ben j'ai commencé à 18 ans, fait que ça fait un bon 12 ans que je fume. Puis, il y avait eu des critiques au début quand la SQDC a commencé, genre... ils ont pas beaucoup de choix. Là, je suis genre, ils ont pas beaucoup de choix? Moi, quand j'ai commencé à acheter du pot, c'était du pot, puis après ça, j'étais « T'as-tu du in ou du out? » Puis ensuite, t'as dit que c'est genre, ils ont rajouté de l'exo. « T'as-tu du in, du out, de l'exo? »« C'est de l'exotique? » »« C'est quoi? C'est quoi? » Donc, l'article, c'est une soirée mensuelle qui existe depuis environ 2015, qui est le bébé de Julia. Puis, c'est une soirée conviviale qui se veut un accueil
de toutes ces personnes qui ont quelque chose à dire sur scène, mais qui ne trouvent pas nécessairement la façon de commencer à se présenter, d'être vulnérable devant d'autres personnes, d'avoir un écho sur ce qu'on crée. Des fois, c'est vraiment pertinent, puis ça devient une routine pour certaines personnes, puis d'autres découvrent une facette de leur personnalité qu'ils ne connaissaient pas avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un bijou. Et puis, le but, c'est d'être accessible le plus possible. Donc, on demande une contribution volontaire de 5 $ environ. Si jamais la personne ne peut pas payer, elle peut nous le dire à l'entrée et on va la laisser rentrer sans problème. Notre but, c'est vraiment que les gens se sentent accueillis le plus possible, tout en payant des artistes. En deuxième partie, on a des artistes invités qui viennent présenter leur travail, qui méritent d'être payés, qui méritent d'être valorisés pour ce qu'ils ont à offrir à la juste hauteur. Voilà. Comment on dirait ça, mettons? Juste valeur. Juste valeur. Merci. % du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.